Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon portable est à deux doigts de tomber pour le moment, ça n'a pas l'air de tomber donc ça se passe. Aujourd'hui, on est là pour parler de Code for Lan. Donc voilà une personne que j'apprécie pas forcément. Il a 1 million d'abonnés et quelques. Il avait plus d'1 million d'abonnés et quelques. Mais sa chaîne a été clôturée. MRC frérot, ça fait plaisir. Les arnaqueurs des fois se font entuber. C'est peut-être pas trop tôt. Bon, je suis un peu malade. Là, je filme avec mon iPhone parce que la caméra elle galère. Bref, c'est pas trop tôt pour dire que enfin les gens mauvais, ils se font rattraper. Voilà, c'est pas trop tôt. Parce qu'au bout d'un moment, moi j'en ai marre de voir des gens qui percent, frère. Ils font des millions de vues et ils enculent tout le monde. Ils sont pas vrais. Ils cachent des trucs, etc. Moi j'aime pas ça. Tu vois, moi je perce pas. Mais voilà, moi j'ai jamais de chance. C'est comme ça. Bref. Voilà, non, moi j'ai pas de chance, je fais peut-être pas des vidéos de ouf et tout. Bref, ça c'est un autre sujet. Mais là, des gens comme ça, c'est bien fait pour ta gueule. Tu vois, tu t'es fait fister par YouTube, c'est bien fait. Après, t'as d'autres chaînes YouTube, tu vas faire le malin. Ouais, j'ai une autre chaîne à 400K, je sais pas quoi. Ouais, mais amuse-toi à arnaquer les gens, YouTube ils vont t'enculer. Ils vont te suspendre direct ta chaîne, on n'en parle plus. Donc vas-y, vas-y. Franchement, ça me ferait plaisir. Parce que tu viens de mon département, tu viens du 38 ou du 69, je sais pas. Un des deux frères, mais ça me fait pas plaisir de dire que tu viens de chez nous. Parce que t'arnaques les gens. T'es pas vrai envers les gens, envers la communauté, envers les gens qui t'apprécient. Tu vois ce que je veux dire? Tu te montes un. C'est pire qu'un personnage. Tu t'es monté une sorte d'empire, mais prends-toi pas pour un narcos parce que t'es rien du tout, frère. Tu vois ce que je veux dire? Fais gaffe parce que les gens, ils oublient pas. Tout ce qui est mauvais, les bonnes actions, les gens, ils ont plus tendance à les oublier, tu vois, que des mauvaises actions. Tout le buzz, tout ça, les gens, ils oublient pas. Donc. Un conseil, ne va pas dans des événements où il y a beaucoup de gens, parce que je pense qu'il y en a qui vont dire, eh, c'est l'autre fils de pute qui nous a niqué 200 balles. Voilà, tu vois, si je serais toi, je ferais attention, frère. Parce que franchement, en plus, enfin, t'osais faire le mec et tout, ouais, on a un partenaire de ouf et tout, je sais pas quoi, ouais, je fais gagner un live à un iPhone X à tous mes lives tous les jours, je sais pas quoi. Moi, j'ai pas la prétention de dire ça, ni d'avoir même 1 million d'abonnés. Sauf que j'ai toujours été vrai envers les gens. Les trucs que j'ai fait gagner, je les ai toujours donnés. Ah, sauf une fois, il y avait un code, je l'avais depuis longtemps, et j'ai voulu le donner à un ami, il l'a gagné, mais sauf que c'était pas un vrai. Donc je m'en suis excusé, voilà, je pensais pas qu'il était faux. Mais après, j'ai montré que j'étais sincère envers les gens, tu vois. J'ai fait des concours, j'ai fait gagner tel truc, j'ai acheté des jeux. Paris Games Week, j'ai ramené Project Cars 2, il venait de sortir à 70 boules, je l'ai fait gagner en abonnés. Voilà. Moi, tu vois, j'ai pas la prestance de dire j'ai 1 million d'abonnés, 100 millions de vues, je sais pas combien t'en as, frère, je m'en bats les couilles. Mais voilà, j'ai toujours dit ce que j'ai fait, j'ai toujours donné ce que j'ai fait gagner. C'était pas des trucs faux. Alors toi, t'étais faux de A jusqu'à Z, tu vois, de Zidane, ouais, du A de Zidane jusqu'au Z au tout début de Zidane, tu vois. Donc il y a un moment où c'est bien fait pour toi. Les gars, il s'est fait repérer par YouTube parce que il y a des gens comme le Roi des Rats qui ont fait des vidéos sur lui. Ça fait plaisir. Voilà, donc je sais qu'il y a des gens qui l'aiment bien. Moi personnellement, je l'aime pas spécialement parce que bon, ses vidéos, c'est pas ce que je préfère. Mais voilà, au début, j'avais rien contre lui, mais quand j'ai vu la vidéo de Le Roi des Rats, j'ai compris direct, frère, franchement, toutes les arnaques que t'as fait, ça se fait pas, t'es pas honnête envers les gens. Et c'est bien fait ce qui t'est arrivé, c'est le retour du karma. Donc j'espère que tu vas arrêter tes conneries, parce que sinon, de toute façon, si tu refais des trucs pareils, bah, tu vas te faire enculer. YouTube, il y a des gens qui vont signaler et tout. Moi, je suis pas partisan des gens comme ça. Il faut le savoir. De toute façon, si tu refais la même chose, ça va être pareil. Donc franchement, tes potes, j'espère qu'ils sont pas fiers d'être tes potes. Ils sont pas fiers de toi. Parce que franchement, ça c'est digne d'un lâche. Je sais pas comment les gens. Je sais pas comment tes potes, Goldek, je sais pas qui, ils ont pu dire, ah je suis fier d'être pote d'un mec qui arnaque tout le monde. Hein. Quand tu te démerdes à 500 balles et tout, comment tu peux te regarder? Comment après tu peux te regarder dans la glace? T'as envie que toi, tes parents, il y a des gens. Par exemple, un mec, il a que leur compte en banque, il leur enlève tout l'argent qu'ils ont sur leur compte, et ils se retrouvent dans la merde. Ils se retrouvent à moins 10 000 balles, t'as plus rien, tu finis dehors, t'as envie que ça t'arrive, fils de pute. T'as vraiment envie que ça t'arrive? Et ben pourquoi tu le fais aux autres? Pourquoi tu le fais aux autres? Il y a des gens, ça se trouve, t'as mis leur famille dans la merde. Parce qu'il y a des gamins, c'est pas de leur faute, ils veulent bien faire. Et ils ont pris la carte bleue de leurs parents, et ils ont banqué. Mais eux, ils veulent bien faire. Parce qu'ils pensent t'aider. Mais au final, tu les as entubés, frère. Et rien que pour ça, t'as de la chance que les gens ne portent pas plainte et que t'ailles pas en prison. Parce que c'est tout ce que tu mérites. Et qu'en prison, on te fasse des choses salaces. Parce que c'est pas t'as voulu protéger le quartier. Tu vois, là, je veux bien. Tu vois? T'as voulu protéger les gens. T'as pas fait ta poucave. Là, j'aurais dit, ok.
Le mec, on lui fait rien. Il a rien dit, il a pas Poucave, il a pas Balance, tout ce que tu veux, d'accord. C'est normal. Mais là, frère, ce que t'as fait, t'as arnaqué des gens, tu les as mis dans la merde. C'est pas un don qu'il a eu. C'est sur des dizaines de. C'est sur même des centaines de lives, je pense. Frère, c'est un truc de ouf. Des lives tous les jours, t'as des gens, ils donnent 200 balles, 50, 20, 30. Ouais, les gars, vous êtes fait arnaquer. Portez plainte. L'argent, vous le reverrez jamais. Portez tous plainte contre lui. C'est bien fait. Franchement, les gars, j'espère que vous vous rendrez compte de quelque chose. C'est que dans la vie, il y a les bonnes personnes et les mauvaises. Pourquoi vous faites confiance aux mauvaises personnes? Les bonnes personnes qui vous tendent les bras comme ça, tu vois, comme ça. Et ben, vous leur faites pas confiance. Pourquoi? Expliquez-moi pourquoi. Moi, il y a un moment, je comprends pas. Les gens qui sont bons, vous leur faites pas confiance. Ou alors, faites confiance à 50% à des bonnes personnes. C'est ça, et je comprends pas. Il y a un moment, je comprends pas. Donc, la tendance, c'est de niquer les gens et les gens te remercient. Non, moi, non, je suis pas d'accord. C'est pas comme ça. Tu vois, là, ok, t'avais une chaîne d'un million d'abonnés, t'as percé, je sais pas quoi, je m'en bats les couilles, frère. Mais au final, tu t'es fait niquer, tu risques d'aller en prison. Parce que là, tu risques la prison. Tu vois? Imagine demain, excusez-moi, je suis un peu malade. Imagine demain, on fait ça à tes parents ou à ton petit frère ou à ta petite sœur. Hein? Là, tu vas dire quoi là? Tu vas faire le malin là? Ouais, je sais pas quoi. Là, le mec, tu vas juste avoir une envie, c'est de le crever. Tu vois? À cette heure, là, l'heure qu'il est, tu vas avoir envie de le crever. Donc, fais pas le ouf, tu vois? Arrête d'arnaquer les gens. Parce que les gens, au bout d'un moment, ils vont se retourner tous contre toi, tu vas rien comprendre. Il y a un moment, ça va se passer comme ça, frère. Donc, arrête. Franchement, arrête tes conneries. Mets-toi bien maintenant. Fais les choses normalement. Essaye pas d'enculer les gens encore, parce que je pense qu'au bout d'un moment, il y a un mec qui va péter un plomb, il va descendre chez toi, frère, tu vas pas comprendre. Sois honnête avec les gens maintenant, voilà. Tu t'es fait niquer une fois, que ça te serve de leçon. C'est tout ce que j'aurais à te dire. C'était un conseil. T'as peut-être plus d'abonnés que moi, sauf que moi, j'ai pas arnaqué des gens, tu vois. Moi, j'ai toujours été honnête et sain envers les gens. Jamais eu de mauvaise pensée envers les autres. Enfin, en tout cas, mes abonnés. Ceux qui me veulent du bien. Donc, voilà. Et ton pote, là, qu'il fasse pas le fier. Parce que je suis désolé, mais t'as aidé personne, frère. Tu vois, là, t'as fait que des choses mal. Là, t'es dans le fossé, voire même dans le précipice, frérot, tu vois. T'es tout en bas. T'es même pas dans le précipice. T'es tout en bas, frère. Donc, commence pas à vouloir faire le mec, je sais pas ce que tu veux faire, frère, parce que t'as aidé quelqu'un de mauvais, et ça, c'est pas bon, tu vois, t'as soutenu quelqu'un de mauvais, tu vois, ça, c'est pas, là, il a pas fait des choses, genre, voler 1 euro à sa daronne, tu vois, là, c'est pas bien ce qu'il a fait, frère. Donc, du coup, en tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu, qu'elle vous plaira, n'hésitez pas à aller checker la chaîne de Le Roi des Rats, ça parle en dessous, tout est expliqué dans sa vidéo, bien sûr. Donc, voilà, j'espère que si t'arnaques d'autres personnes, bah, tu vas te faire dégager, tu vas finir en taule, ça te ferait du bien, ça te remettrait les idées en place, parce que j'ai l'impression que il y a des gens, ils connaissent pas la misère, ils connaissent pas certaines choses, et ça leur monte au cerveau, frère, dès qu'ils percent sur YouTube. Voilà, les gens faux, on n'en veut pas, nous on veut que des gens normaux, des gens vrais. Voilà, la prochaine fois que tu fais gagner un truc, donne-le vraiment, au lieu de faire espérer des gamins, tu vois, parce que c'est, au bout d'un moment, ça fout le seum. Voilà. Donc du coup, j'espère que vous tiendrez compte de tout ce que je vous dis dans la vidéo, je sais qu'il y a la plupart des gens qui regardent 2 minutes. Voilà, bref, c'est pas grave, on est là, on fait quand même la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, portez-vous bien, faites attention. Comme je vous le dis, prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage. C'est-à-dire, faites attention à ce genre de détails. Ouais, mon petit frère regarde des lives de un tel, et bah fais gaffe. Parce que ça se trouve, c'est un arnaqueur, c'est un escroc, il va essayer d'arnaquer ton petit frère, il va essayer de soutirer de l'argent. Donc voilà. Donc je sais qu'il y a des gens qui vont dire, ah, t'as pas de preuves, je sais pas quoi. Regardez la vidéo de Le Roi des Rats, je le dirai pas assez. Le roi des rats, c'est vraiment un bon. Toutes les preuves qu'il a apportées, elles ont été vérifiées. Il les a vérifiées lui-même. Il a appelé Microsoft, il a appelé PlayStation, etc. Et si la chaîne de l'autre, elle a été fermée, de trucs là, Forlan, c'est pas pour rien, frère. C'est qu'il y a vraiment des choses accablantes. Parce que dans les charts YouTube, il y a des règles qu'il faut respecter. Voilà. Tu respectes pas les règles, tu te fais dégager, frère. C'est tout. Donc, sur ce, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu, ça me ferait plaisir. Ou un pouce rouge. Si ça te fait plaisir, pourquoi pas. Tant que tu parles de moi et que tu partages la vidéo, frère, je dis pas non. Même si tu veux, tu peux te moquer de moi, il n'y a pas de souci. Mais chez d'où je viens, frère, j'ai pas eu besoin de toi. Donc voilà. Les rageux, cordialement. Voilà, restez tranquille dans votre truc parce que moi, je vous ai rien fait. Voilà. Je critique juste une personne que j'aime pas parce qu'il a fait des choses pas bien. Et c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Sur ce, je vous dis ciao, la bise, les gars. Prenez soin de vous, de votre famille, portez-vous bien. Faites attention à ce genre d'escroquerie. Sur ce, la piraterie n'est jamais finie. Je vous dis ciao la bise, les gars. Portez-vous bien!